Salut les gens, salut les chats. Bienvenue donc pour un nouveau live totalement random game. Cette fois-ci, ça se passe la journée, étonnamment. Donc déjà, salut Sasuki, salut aux autres également. Donc on va se retrouver pour un super play sur Aleste Gaiden sur MSX2, toute nouvelle console qu'on fait d'ailleurs, sur les temps passage. Alors j'espère que le son est bien calé par rapport à ma voix. Un jeu par Compile, un excellent à l'est. Il me semble que c'est un des premiers à l'est, justement. Mais un excellent shoot'em up. Bah écoute, ça va super bien, toi. Ça va super bien, de mon côté. Alors, on a droit à un personnage, donc, non un vaisseau. Nous avons donc le droit à un personnage qui peut sauter, qui peut forcément upgrader en armes, donc comme chaque shoot'em up qui se doit. Mais ce qui est bien, c'est cet aspect terrestre, justement. Cet aspect terrestre que tu peux sauter, que tu peux. Bah, t'as vraiment l'impression de contrôler un personnage et pas juste une idée de costume juste pour effacer un vaisseau, quoi. T'as vraiment l'impression de contrôler quelqu'un sur Terre et non sur. Ah, mercredi. Qu'on avait vraiment. C'est pas un camouflage quoi. On voit que c'est pas un camouflage. Alors j'ai l'impression que vous m'entendez bien, c'est nickel. N'hésitez pas à me dire si le son du jeu est trop fort ou pas. Hop, hop, hop. Alors vraiment on va faire le plein de jeux aujourd'hui, hein. Ça je vous le dis. J'ai vraiment envie de me changer les idées pour la journée en plus je suis. Bah, je suis tout seul. Je suis tout seul donc. Et salut Itachi! Donc, Aleste Gaiden sur MSX. Reprécisons-le. Un excellent jeu par Compile. Pas besoin de sauter, ça va. Ok, Ita. Ça, les ennemis qui viennent toujours par derrière, c'est tellement bâtard que ce soit dans un shoot'em up normaux ou dans ce shoot'em up. Les musiques, elles sont vraiment cool, les bruitages aussi. Vraiment, il y a tout de bien, il y a tout de bien sur ce jeu. Il y a tout de bien. Voilà. Pour une console de l'époque, MSX donc sur en 1989 justement. Bien synchro, ça va, c'est nickel alors, c'est nickel, merci. Tant mieux. De toute façon, bon, je vais filmer un peu avec OBS Studio ici, je vois un peu le mélange donc que ça fait. Et je vois que ma voix porte plus fort que le son du jeu, donc normalement c'est nickel, c'est nickel. Merci les gars. Yep, voilà. Alors forcément, Esprit Ninja oblige hein, un peu. Gaiden. On lance des shurikens, oui, voilà, c'est totalement le stéréotype du pur ninja. Et vraiment un ninja qui pète la classe. Qui pète la classe et un jeu qui pète la rétine également. C'est vraiment le cas de. C'est vraiment le cas de le dire. Hein. C'est vraiment le cas de le dire. Mais vraiment, Aleste Gaiden est pour ma part un argument de vente pour la MSX. Il y a tellement de bons jeux, mais celui-ci, vraiment, est un très bon jeu de la série des Aleste que je vous recommande chaudement. Alors, le boss. Fait un peu penser à un boss de Contra. Qu'il fallait détruire partie en partie. Parfait, parfait, oui, nickel. Oui. Parfait, parfait. Alors, normalement, je suis tout seul jusque 18-19 h, donc franchement, on aura le temps de bien live. Je pense qu'on aura vraiment le temps de beaucoup live. Donc, ça va être parfait. Ah oui, ah ça, hein. L'Amérique, comme on dit, nous cache pas mal de secrets, hein, n'est-ce pas? Avec toutes ces statues de liberté. Voici un complexe un peu plus néo-spatien. Enfin, plus SF, donc science-fiction. Parfait. Ça, par contre, j'ai mis le ventilo, même s'il y a des nuages, tout ça, il fait quand même un peu lourd, donc bon. Hop, on saute. Ça, j'aime bien ce gameplay de sauter. Ça rend très bénéfique. Ça apporte vraiment une touche de réalisme, justement, parce qu'on est terrestre et donc non volant, parce qu'on contrôle pas de vaisseau.
Voilà. Plus SM plutôt, lal. Voilà, donc on a encore un autre clone. C'est bien, c'est pas des power-up normaux où ils changeraient carrément ton Shuriken, tout ça. Non, non, c'est vraiment des clones. Et c'est super utile. Ça me fait un peu penser à Super Aleste où... Je sais plus c'était quelle arme, mais tu avais des petits drones qui te suivaient à un moment, avec un power-up. Et donc, bah forcément, il fallait constater que justement, bah c'était, ça faisait vraiment penser à la même chose. Super Aleste qui est un énorme shoot'em up que je veux, que je peux que vous recommander. Ça c'est sûr. Il y a des chiens ici, bon. Après, le jeu n'est pas vraiment, vraiment difficile. Hein. Vraiment difficile. Juste faire gaffe au boss, plutôt. Putain, c'était chaud là. C'était chaud. Je pense qu'on va arriver au boss ici. Ouais, exactement. Les mechas ils sont super classe. Hein. Pour 89, franchement, il y avait quand même. Bonne matière, hein. Question design des ennemis, les sprites, tout ça. Ouais, ouais, elle est super cool. Vraiment, les musiques sont vraiment super cool. Les musiques sont vraiment toutes super cool. Alors, nouveau stage. Des chutes de pierre, faut faire super attention là par contre. Hop, hop, hop. Là c'est, je pense que c'est le stage qui te fait dire que oui, fais gaffe, la difficulté elle monte. Clairement. Ah oui, 10 secondes, mais une fois que t'arrives pour up suffisant, tout ça, franchement, tu les défonces, hein, les boss. C'était le cas de beaucoup de shoot'em up à l'époque. Yep, parfait. Des ennemis qui sortent de terre. Par ailleurs. C'est tout à fait normal. Oula, oula, oula. Attention, des petits trous. Bon, par contre, notre monsieur, c'est comme un Belmont, hein, il ne sait pas nager, hein, ça... On l'envoie encore une fois pour sauver le monde, mais bon, forcément, il sait pas nager, hein. Écoutez, bah, moi, écoutez, on m'a dit, je suis héros de jeux vidéo, on m'a dit de savoir tenir une épée et pas de savoir nager. C'est totalement ça, en vrai. Écoutez, moi, on m'a donné ça, je fais le boulot, je fais ce boulot. Ah putain. Petite suite de drones ici. Une espèce de tête ici, qu'on s'est marché dessus. Ça va, aucun respect. Hop, je te marche sur la tête. Et regardez-moi ça. Hop là, on passe à côté là. Donc ici, forcément, si vous voyez une ouverture comme ça. Si vous voyez que de la terre, bah, ça veut dire que ça va être le boss, mon dieu. Et encore une fois, un boss super stylé. Une espèce d'aigle robot suite. Voilà, il faut faire super attention parce que son laser est super rapide. Voilà, parfait. Nickel Chrome. Google Chrome. Oui, oui, c'est une blague pourrie. Mais je m'en fous. C'était totalement moisi, mais moi, pour ma part, écoutez, c'est tout à fait légitime. Legitimus Totalus. Voilà. Bon, ça prend du temps à charger ici. Voilà, parfait. Ah, ici, c'est un stage vraiment cool. On essaie de monter les marches et là on comprend mieux pourquoi ça nous tire de ce côté. Putain, ça tire tellement de tous les côtés là. Ah, j'avais tellement oublié ce stage.
Donc c'est pas un jeu qui va durer vraiment longtemps, hein. Prenez, je sais pas, 20 minutes pour finir le jeu. Mais bon, pour les jeux MSX de l'époque, c'était vraiment la durée de vie, hein, sur certains jeux. Donc fallait pas s'étonner. Salut Fabien, comment vas-tu? Donc voilà, la MSX proposait vraiment un très bon contenu. Des jeux courts mais vraiment intenses, comme ce Aleste Gaiden. Il semble qu'il est entre Aleste 2. C'est une espèce de. Je sais pas si c'est un spin-off, le Aleste Gaiden, mais bon, voilà quoi. Après, je peux entièrement me gourer, hein. Je peux entièrement me gourer. Bah, ça va super, Fabien. Si, je profite vraiment d'être tout seul, enfin tranquille, pour pouvoir tranquillou faire un live, quoi. En comptant le live de Visual Novel ce soir en plus, donc ça va être nickel. Des Pokéballs qui nous. Ah, c'est cool ça, Fabien. C'est cool. Oui. Si je fais attention parce que je sais qu'à un moment je vais galérer. Je sais qu'à un moment ça va être totalement galère. Ouais. Ça. Voilà, ça. Ça, c'était ce passage chiant. Mais voilà. Donc, boss time. Ouais. Là, faites super attention. N'hésitez pas à utiliser vos drones, justement, puisque vos drones, bah, ne peuvent être théoriquement touchés. Putain, mais il y a beaucoup de gens qui lèvent aujourd'hui, je pense, d'ailleurs. Attends, il y avait Itachi. Fabien, je pense que tu vas aller live. Il y a Drist qui va live, il y a Elion qui va live, je live, putain. C'est la journée, hein, aujourd'hui. Voilà, parfait. Nickel. Voilà, ce stage est vraiment pas mal également. Ouais. Mon Dieu. Ah ouais, il faut faire grand saut là. Yeah, putain. Oula, 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 oh putain. Mon Dieu, ce stage. Ce stage de l'angoisse totale, les gars, ce stage de l'angoisse infinie. Parfait. Ah là là, qu'est-ce qu'on était content de revoir notre. Parce que moi je. Bah si, dis pas de conneries. Itachi, il était totalement content tantôt qu'on revoie Cédric. Ah mon Dieu. Bah lui, bah de toute façon, Harry Potter 4, hein. C'était totalement normal de le retrouver, de toute façon. Oh putain. Boum. Voilà. Oh, power up. Nickel. Totalement, Fabien, totalement. Alors fais bon feu-fil, hein, faudra te faire corner 2 minutes. Hein. Benzo qui a dit qu'il est re et qu'il ne repart. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez. Boss time. Bien classe d'ailleurs. Dites-vous que c'est du 89, hein, ça. Oulala. Ok. Oh putain.
Putain, merde! Creudy. Fais chier. Voilà, putain. Ah, il m'a bien fait peur, ce boss. Putain. Vive l'année, vive ses draps. Vous êtes grave, vous êtes grave. Et ben voilà, bon, il me semble qu'on a fini le jeu. Bah oui, comme je vous ai dit, hein, les jeux MSX, question shoot'em up à l'époque, c'était vraiment très court, vraiment très court. Mais c'était court mais intense, tu vois. Court mais intense. C'était vraiment super. Bon, on va laisser l'ending. Ouais, Benzo avec les tortues. Ah, ça c'est cool par contre, hein, qu'il enlève son casque. Par contre, je sais pas combien de shurikens il cachait dans dans ses poches, mais ça devait être beaucoup. Ça devait être vraiment beaucoup, n'est-ce pas? T'es grave, Sasuke, t'es grave. Oh mon Dieu, Fabien, il va te tuer. Il est heureux, frère. Mon Dieu, vous êtes grave, les gars, mais vous êtes grave. Vous êtes assassin. Et re taché pour le coup. Rends mon amour. Bah, il était cool ce jeu, il était vraiment cool. À l'Est Gaiden sur MSX, que j'ai plutôt fait sur une version MSX 2, donc des performances un peu plus hautes. Oh mon Dieu, vous êtes grave. Ah oui, n'est-ce pas Itachi, hein? Il y a le bon, il y a moi, il y a la brute Sasuke, il y a le truand Ryu. Voilà. Okay, super bending. Pas de soucis, Itachi, pas de soucis. La brute, ça me convient. Ouais, on se demande pourquoi. Pour des bonnes biatches. Ah, bordel. Hallest Gaiden. Donc hey done, voilà. Tout simplement. Hand. Bah écoutez, sur ce, on va changer de jeu. Alors j'arrête le streaming. Alors à tout de suite les gens.